Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Un temps encore très instable aujourd'hui, mais quelques chanceux tirent leur épingle du jeu. Et c'est le cas notamment de Paris avec de jolies éclaircies. Alors là, actuellement, vous ne les voyez pas tellement, mais je vous promets que dans quelques minutes, il y aura le retour du ciel bleu pour les plus chanceux d'entre vous. Regardons ce temps aujourd'hui, c'est encore ce régime d'averses. Toujours cette instabilité avec de nombreuses averses orageuses sur une grande partie du pays. Un temps plus calme. Calme, plus ensoleillé, de la Normandie au bassin parisien, en passant par la région centre et la Bourgogne. Quelques zones aussi plus clémentes le long du littoral méditerranéen ou encore à l'extrême ouest de l'Aquitaine. Et puisque l'on va surveiller particulièrement aujourd'hui, ce sont les orages attendus dans le nord-est ce soir et cette nuit, car ils peuvent donner de bons cumuls de précipitations, notamment sur le Bas-Rhin et la Moselle. Donc soyez extrêmement prudents si vous êtes dans le secteur. Le tout sous des températures plutôt stationnaires par rapport à hier. C'est assez homogène d'ailleurs, hein. 18 à Lille, 18 également à Biarritz, Orléans, Grenoble, mais 23 pour Ajaccio. Aujourd'hui, on est à peu près dans les normales de saison. Il manque parfois 1 ou 2 degrés dans le sud du pays. Regardons la suite de votre programme. Ce sera encore cette instabilité qui va dominer. Elle n'est pas prête de nous quitter de si tôt, avec encore de nombreuses averses orageuses attendues, notamment demain à l'ouest du pays, mais également côté est. Mais tout cela, je vous en reparlerai dans le détail, dans votre prochain bulletin météo. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Anne Seften pour LCI Midi. Merci beaucoup, Coralie.